Magnifique, quelle merveille, quand je pense à tous les dangers que j'ai risqués pour l'avoir. Ça placé dans un musée, qu'ils disent. Ah non, c'est à moi, à moi! Bon, chers amis, bonsoir. Alors, aujourd'hui, juste un petite émission pour vous parler du kit de découverte d'Archaeos Adventure. Donc Archaeos Adventure, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu français, jeu pulp, Raffio Fringant. L'auteur, c'est Christian Grussy, qui nous emmène dans son univers absolument... un univers d'aventure, de grande aventure, comme dirait le porte-parole de Conan, mais un univers de grande aventure qui va nous emmener sur les traces d'Indiana Jones, sur les traces de Mandrake, sur les traces du Spirit, sur les traces de Jumanji, sur les traces... Enfin, de tous les genres pulp que l'on peut imaginer, et le genre pulp est énorme. Et donc là, on arrive aujourd'hui avec ce kit de découverte, en fait, du jeu qui va être, comme je vous dis, en financement très rapidement. Et donc là, moi, je ne vais pas vous parler pour l'instant, des règles, etc. Je vais vous parler de la forme, parce que, en fait, ça mérite vraiment beaucoup d'en parler. Tout simplement, vous voyez, déjà, quand vous arrivez, moi, ça me rappelle quand j'étais môme et que j'allais chez le buraliste, et qu'on avait les petites BD, souvent noir et blanc, de Bob Moran ou d'autres. Et là, on est pile poil, en fait, dans ce format. Hein. Le jeu en lui-même aura le même format, bon, sauf qu'il sera beaucoup plus épais, hein, bien entendu. Hein, je crois qu'on doit avoir 200 pages ou un truc comme ça. Donc là, c'est vraiment le kit de découverte, mais ce sera ce format. Et d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer tous les codes, en fait, de ces fameux comics pulp de l'époque. Hein, avec, on voit tout de suite, on va avoir affaire à du nazi, avec un peu de fantastique, avec ce cristal bleu. Vous avez une héroïne ici qui était présente dans le premier Archaeos, parce que Archaeos, ça a été un jeu qui est sorti déjà il y a quand même pas mal de temps. Mais attention, là, on n'est pas du tout dans le même système. Là, c'est vraiment un système complètement à part et repensé, et une maquette complètement repensée de A à Z. Donc voilà, il ne plus de pouvoir Archaeos Adventure. Et surtout, vous voyez, dès les premières pages, on se retrouve dans une maquette qui est hyper inspirante, avec son lettrage particulier, son dessin. Ça, vous allez pouvoir trouver ça sur des dessins d'affiches, enfin des affiches des années 30. On se retrouve tout de suite avec ses bandeaux, avec ses illustrations, clairement dans du pulp pur jus, ces cartes avec ce qui vous rappelleront immanquablement les cartes d'Indiana Jones du Cinoche. Donc là, en fait, l'auteur vous rappelle avant de vous rappelle ce que c'est le genre pulp avec toutes les inspirations. Comme il dit, il y a Indiana Jones, c'est la momie, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a absolument tout et encore. On pourrait en rajouter pas mal. Ça, c'est ce qu'on va avoir effectivement dans le financement et dans la boîte qui devrait être qui sera lancée, avec son écran, ses différents bouquins et tout son matériel. Alors vous remarquerez qu'il n'y a pas de dés, parce qu'en fait, Archaeos Adventure est un jeu sans dés. Donc là, justement, ce jeu sans dés, dans ce magnifique kit de découverte, on va vous expliquer comment le système fonctionne. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est un héros? Comment l'incarner? Quelles sont ses caractéristiques? En fait, il y en a très très peu. Et qu'est-ce que je peux faire avec, bien entendu? Comment je peux le jouer? Et comment vous allez vous retrouver, en fait, dans des dangers mis en place par le maître de jeu, qui, lui, va vous mettre des cartes, parce que ça va jouer par carte et par pion,
Donc des cartes de mise, hein, vous allez miser des actions, vous allez miser un nombre de pions pour réaliser une action. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous remarquerez tout de suite que ça c'est l'explication du jeu. C'est l'explication du système. Donc on n'est pas dans du grand blabla avec des formules ou d'un, on est dans du très très visuel et que j'aime beaucoup cette présentation. Voilà, la résolution, les récompenses, comment va se dérouler un tour de jeu, donc là vous allez à peu près tout. Hein, comment on se... Ah oui, alors là, je veux vous montrer ça, parce que ça, c'est absolument extraordinaire. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est ça ? Ça, vous voyez, c'est présenté comme une affiche de film. Mais en fait, l'auteur m'a expliqué que tout ça, ce n'est pas une affiche de film. En fait, c'est ce qui va introduire le scénario. Et donc là, le scénario du bouquin de découverte s'appelle « Dans les griffes du chacal ». Donc vous voyez, vous avez un légionnaire ici, ça va être très oriental, hein, comme vous voyez sur le dessin. On est vraiment dans du la rose noire, on est vraiment dans de l'affiche de film des années 30, des années 50. Et là où vous auriez normalement le réalisateur, les acteurs, etc., on vous donne les caractéristiques du scénario. Hein, donc là, vous allez savoir que ça va être une action, on va vous expliquer ce que c'est, ce qu'il va y avoir du baroudeur, etc., etc. Donc là, sur ce petit encart, vous allez avoir tout le détail technique, on va dire, entre guillemets, du scénario, comme on peut avoir les détails techniques d'un film, c'est exactement pareil. Voilà. Dans les griffes du chacal, c'est le scénario en fait qui est pris dans ce kit de découverte, hein, d'Archaeos Adventure. Voilà. Donc on vous explique tout ça. On va vous expliquer le scénario. On va passer rapidement. Hein, on va pas rentrer dans les détails. Sauf que là, vous arrivez. Vous avez en page centrale. Elles sont détachables et découpables, où vous avez vos quatre pré-tirés qui, vous voyez, on est pile poil dans le thème. Hein. Hein, ces dessins, c'est... on est vraiment pile poil dans le thème. Et donc, avec ces papiers arrachés d'un cahier à spirale, avec les différentes caractéristiques des différents héros. Donc, et franchement, moi, la présentation, bah, je fais de la redite. Hein, vous m'en excuserez, mais on est dans le thème. Voilà. Donc, vous voyez, ici, après, donc les événements, les rebondissements, et là, vous avez tous les PNJ qui vont intervenir, en fait, dans le scénario de ce kit de découverte. Hein, honnêtement, il y a très longtemps que je n'ai pas vu un jeu avec une telle charte graphique, une telle direction artistique qui colle autant au thème. Hein. C'est vraiment du beau matos. Alors, je passe rapidement le scénario parce que je ne veux pas dévoiler. Mais surtout, je voulais revenir là-dessus. Parce qu'en fait, à la fin, vous avez quelque chose sur les coulisses de l'histoire. Parce que tous les jeux des années 20, des années 50, se passent toujours dans un contexte historique. Je crois que j'ai un mirage qui va me faire chier bientôt. Et donc là, l'aventure va se passer dans les États du Levant, hein, qui était un mandat français, en fait c'était un protectorat français jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc on va vous expliquer tout son historique, et parce que le jeu de rôle c'est ça aussi, c'est, je dis toujours, le jeu de rôle permet de découvrir des choses que l'on n'aurait pas forcément découvertes en dehors. Voilà, donc vous avez toute l'historique de la région en fait dans laquelle va se passer le scénario. Avec des photos d'époque, des affiches, des cartes même, et surtout ces cartes postales d'époque, donc des facsimilés qui peuvent servir d'aide de jeu, qui vont mettre vos joueurs, qui vont mettre le MJ dans l'ambiance. Donc voilà. Il y en a un certain nombre avec cette affiche du Simple Orient Express. Hein. Bon, voilà.
Et à la fin, vous avez les fameuses cartes de fortune qui vont être utilisées en jeu. Donc là, comme les prêts-tirés, en fait, cette feuille est découpable pour vous donner tout le matériel, en fait, pour jouer le scénario de... Alors, pas tout, parce qu'en fait, pas tout à fait tout, mais je pense que tout le monde a ce qu'il faut en termes de jetons. Alors, ça peut être des jetons de poker, ça peut être des pions, ça peut être des canettes de bière, enfin, des capsules de canettes de bière, ça peut être ce que vous voulez. Qui vont représenter les mises. Et là, vous avez un coupon, parce que si vous l'achetez, je crois que vous avez une réduction, en fait, sur le jeu final, à moins que je me trompe. Qu'est-ce que... Attendez, je vérifie avant de dire n'importe quoi. Les héros ont besoin de lunettes également. Donc, c'est bien un coupon de réduction qui est valable durant le financement participatif sur l'offre 50-50 cumulable avec l'Early Bird limité à 100 exemplaires. Mais du coup, vous avez ce coupon. Et voilà. Parce qu'en fait, pour terminer, Archaeos Adventure, le kit de découverte, peut être acheté... enfin, est gratuit. Est gratuit, il faut que j'insiste, est absolument gratuit en termes de téléchargement. Hein, la version numérique est absolument gratos. Et si vous voulez acheter la version physique, pour vous déjà, pour toucher la bête, vous débourserez la modique somme de 15 € et vous aurez cette version physique. Donc voilà, aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais vous présenter sur Archaeos Adventure, le jeu qui, à mon avis, va faire du bruit, en fait, dans son thème, dans son style, et j'espère... recevoir sur ma petite chaîne bientôt l'auteur qui nous déterrera certainement plus en détail tout son système et ce qu'il a voulu refaire ressortir là-dedans. Et bien écoutez, en attendant, je vous souhaite de bons jeux, je vous souhaite une bonne santé et puis à bientôt et surtout, bah, comme d'habitude, un petit like, un petit... Enfin, suivez ma chaîne, quoi, ça me fera toujours plaisir à moi en tout cas. Merci beaucoup, à bientôt.